Donc le U et le point à droite. The Moon Mask, le masque de la lune. Attendez, donc 5, 2, 3. 5, 2, 3, 1. 5, 2, 3, 1. Tu vas pas bien, frérot. Frérot, tu vas pas bien. Oui, Ida. Ida, me souviens pas qui c'est. Du coup, le jeu du mensonge. La photo se trouve dans la poche du diable. Le code du coffre finit par 46. La clé est cachée sous le journal. La photo se trouve sous la porte du diable. Ok. Wow. Beaucoup trop d'infos, beaucoup trop d'infos, beaucoup trop d'infos. Oh merde! Ah bon, on a été spoilé là. On a été spoilé. Emma mourra pendue. Incident à Rusty Lake Hotel. Donc on. Ah donc ça se passerait. Ouais, non, alors oui, que c'est un. C'est un prequel, ok, d'accord. C'est juste pour expliquer. Ok. Ça, ici, si je marque 46, est-ce qu'on sait. Est-ce que si je fais ça, ça reste. Ok. Donc, ça, c'est pas mal. Ok. Dans la poche du diable. I don't love Ida, je n'aime pas Ida. Mon frère n'est pas marié. Une carte est cachée à droite du tableau. Je ne suis pas amoureux d'Ida, d'accord, ok. Une carte est cachée à droite du tableau. De ce tableau. Ok. Bon. Essayer de trouver une autre info. Ma sœur est morte. Ah, zut, c'est l'autre frère. Ok. Le code du coffre commence par 37. Ok. Une clé est cachée derrière le coin inférieur droit de la peinture.
Donc il y a eu un mensonge. Je pense que c'est Ida qui ment. Une carte est cachée au coin supérieur gauche de la photo. La fin du locker commence, finit par 94. On verra ce qu'elle dira après, mais déjà je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Une carte. Ok. Une autre carte. Ah, zut, excusez-moi. Je mets en pause un instant. Excusez-moi, hein, livraison qui arrive. Du coup, on était où? J'étais en train de regarder tous les coins, du coup, parce qu'il y a l'air d'y avoir des trucs dans les coins de ces tableaux. Donc, on va aller regarder rapidement. Ok. Bon, malheureusement, Emma est décédée. La grande prêtresse dit toujours la vérité. Le diable ment toujours. Le char ne ment qu'une fois. L'impératrice ne dit la vérité qu'une seule fois. Regarde à l'extérieur. Alors on a quoi? C'est qui The Impress. The Height. Ok. On sait que le diable, c'est lui. Elle a menti une fois. La clé est en dehors et sous le journal. Il y a une clé sous le journal. On n'a pas trouvé de clé sous le journal. Donc elle ment deux fois. Donc elle a menti. Elle a dit la vérité qu'une fois. Elle a dit la vérité qu'une fois, donc elle est le chariot. Elle, c'est le chariot. La grande prêtresse, je pense que c'est elle. Parce que ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai. C'est l'été. C'est ça, hein? Non. Donc elle a menti une fois, c'est l'empereur. Enfin, c'est la prêtresse. Donc elle, c'est The Empress. Lui, c'est le haut prêtre. Et lui, c'est le diable. Elle c'est chariot et lui c'est le elle prêtresse dit toujours la vérité hein. Lui on est d'accord il a dit toujours la vérité. Sa sœur est morte, le début du locker c'est 37 et il y avait bien une clé au tableau. Du coup c'est ça. Du coup j'ai le rôle de chacun. Comment je valide? Look outside. Ok, bon.
Du coup, je nomme là, c'est Samuel. Hein. Là, on a Ida. Je sais pas qui est Ida pour le coup. Donc là, évidemment, on a Marie. Bon, donc OK. Donc le truc, c'est de valider les cartes de chacun, mais j'ai pas compris comment valider. Parce que c'est sûr que lui, c'est le diable. Lui, c'est the Impress. Regarde à l'extérieur. Ouais, ben. On est d'accord, hein. Elle n'a menti qu'une fois. Elle a menti sur la saison. Pardon, j'ai inversé le chariot et la prêtresse. Pour ça. Et le son s'est encore coupé. D'accord. Et donc lui serait devenu le nouveau cerf. Vaudou. Pourquoi il est dans cette position, lui? Excusez-moi, j'avais pas vu.
Est-ce qu'on brute force ce truc-là? Allez. Ah zut, attendez, je refais mon bruit de force parce que... Non, il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc que j'ai raté. Là, peu à plus, je suis en train de rater mon bruit de force. Là, je galère. Je galère. Du coup. Non. Toi, là, tu t'as rien à dire? Rien à dire, rien à faire, rien à... Là, j'ai un bougeoir, là. Je peux pas mettre la bougie dedans? Ah non, d'accord, c'est parce que le mot bougie se superpose dessus. Bon, ok, admettons. J'en sais rien, j'ai pas vu ces symboles-là. J'ai vu ces symboles-là nulle part. Et tout à gauche, non, il n'y a rien. Ennuyeux cette histoire. Je sais pas. Peut-être que je n'ai pas l'élément. Et par conséquent, on va prendre une autre branche. Bon, on sait comment va finir Emma, donc autant suivre son histoire, je pense. Fertilité. Le premier, c'est orange, du coup.
Ok. Du coup, je suppose que c'est avec ça que je récupère la fleur en question. Ok. Du coup, ce qu'elle veut, c'est la fleur 1. La fleur 1, c'est la fleur orange. Pour moi, pour avoir cette fleur-là, il faut mélanger du jaune et du rouge. C'est celle-là. Ok. Ensuite, il va me falloir la rouge. Du coup, c'est pas compliqué, c'est ça. Zut, bon. Que ce soit un peu plus foncé. Du coup, je vais mettre un peu de bleu. Non, là, je tombe sur la 3, là. Bon, on y est. Donc, ça, c'est la 2. La 3, je l'avais. Du coup, c'est bleu. On y est arrivé. C'est bleu puis rouge. Avec ces feuilles-là. Cette tige-là. Et il faut que je rajoute une dose de bleu. Et on l'a. La dernière, c'est un cyan. Le cyan, c'est... On va essayer bleu et jaune, du coup. Chaque fois, je me ferai avoir par cette... Du coup, il lui faut encore un peu plus de bleu. Ben voilà. C'est vraiment de la pure gestion de couleurs, quoi. Du coup, faut la 2. La 3. C'est tout? Et la 4. Voilà. Ok, super allusion.
Et du coup, hein, sur le tableau, on avait bien vu qu'il y avait un enfant en plus. Du coup, Franck. Il y a son oncle Albert qui est... Ok. Ouh, j'espère qu'il n'y a pas eu une histoire de consanguinité dans l'histoire. Toujours Albert, hein, toujours... Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de corde. Est-ce qu'il n'y a pas de... Ok. Ah. Je suppose qu'il veut son nom sans peluche. Bah oui, évidemment. C'est une évidence. Ah! Il est horrible. La recherche. Oh, c'est horrible. Ah, et du coup, elle s'est suicidée. Oh, mais c'est horrible. Il manque un morceau. Ah, il me manque plus d'un morceau en vrai. Il me manque plus d'un morceau. Mais c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? De l'encre. Bah. Oh. Attendez, 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 attendez. Le B, il est entre le moulin et l'hôtel. Du coup, là, j'ai l'hôtel. Ok. Faut que j'écrive un truc. Ça là. B plus C plus D moins A. Je l'ai vu. C'est le pont, ça. Faut que je vise au-dessus du pont.
C'est ça pourtant. Pour le tien. T'es au bout d'un moment, hein. Attendez, je dois être dans ces environs-là. Il y a un truc, il y a forcément un truc. Qui m'échappe. Forcément un truc qui m'échappe. Voilà, j'ai fait toutes les coordonnées possibles, hein. Ok, qu'est-ce que je dis pas? Ah. Ok. Attendez, juste un instant. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose tout à droite? Il y a encore des trucs là. Ok, donc c'est Emma qui est un petit peu qui a un peu vieilli. Ok, on a l'encrier. Attends, alors. Mon cher enfant, je te cherche depuis si longtemps. Si tu découvres cette lettre, regarde les étoiles et tu me trouveras. Ta mère. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est terrible, c'est terrible. En plein milieu de l'église, ok. Ok. 62. Oh, attendez. Ok. Alors, en plein milieu de l'église. Donc, il y avait ça. Il y avait... Ah, le moulin... Frérot, je suis dessus là. Bon, ok. Attendez. Ah, attendez, non, c'est B, et ensuite il faut que je fasse le point C. C, c'est l'arbre juste au-dessus du pont. C'est bon, j'y suis là. Attendez, on a 30, 50. Est-ce que j'ai... L'église, on a... Et aussi l'hôtel. On va voir un petit peu.
Là, il me manque un truc. Ici, j'ai ça. Du coup, on va aller au point B. Le point B, c'est celui-là. Et je vais prendre des notes. C'était l'hôtel ou l'église? C'était l'hôtel. C'était Rustilek Hôtel. Du coup, on est en 60. Donc moi, ce que je compte, c'est 6002. Alors, attendez, on va... Hop, hop, téléphone, calculette. Téléphone, calculette, hop. Alors, 6002. Ok, le signe d'après, c'est un plus. Ok, le C. Le C, c'est le pont. Le pont, ok. Hop. Du coup, ici, 3005. Plus. Plus D, hein. D, c'est l'église en plein milieu. Donc 3003. Et pour finir, moins. Le A, c'est sur le... Sur le... Hop, 4. Ici. Bah, moins 4. Ça me fait 12006. Ah, 6-2. Non, ok, d'accord. Excusez-moi. Alors, on recommence. Du coup, faut que je vire à chaque fois les dizaines et les centaines dans mon calcul. Du coup, ça me fait... Du coup, ça me fait 62 plus 35 plus 33 plus moins 4. Ça me fait 126. Ok. Oh là 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 là.
Ouais, c'est ça, ok. Alors. En noir, c'est la tulipe. Il manque un élément. Ah bordel, c'est horrible. Ce jeu peut se révéler vraiment horrible. Ah. Ok. La fiole peut-être. Ok. De l'huile. Ok. Ah bah oui, peinture à huile. Ok, d'accord. Ok. Et bien évidemment. Oh. Bon. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, hein? Quoique ça avait l'air d'être plus rouge encore. Parce qu'il faut que ce soit. Non, hein, ça c'est. Doit me manquer une couleur, doit me manquer quelque chose. Tiens, ça c'est pas en rouge, c'est en jaune. Du coup, faut que je trouve du jaune quelque part. J'avais du jaune. Ça, c'était jaune, ça. Ah, oh, dommage. Faut que je trouve du jaune. Et à part la fleur elle-même, je vois pas trop.
truc là, non? Mince, il manque une couleur en fait. Il manque le jaune, le sol doit être jaune. Oh bordel. Le curcuma. Évidemment, écrasé, ça donne du jaune. Ouais. On a récupéré quelques trucs. Et du coup, Franck. Bordel, et il revient lui. Water, Foon, Voodoo Stick. Putain, il est toujours en vie. Ah, c'est horrible, il est pas mort en fait. Enfin, c'est horrible. Bah ouais, pour le coup, oui, c'est horrible. Oh la vache, la violence. C'est quoi le symbole déjà? Food. C'est ça, Y.
Ah, excusez-moi.